depuis novembre, il me semble, on a la moitié des cours prévus. C'est-à-dire qu'on est en demi-groupe et que bah, du coup, on n'a pas tous nos cours. Donc, c'est pour nous impossible de passer le bac comme si de rien n'était. Et en plus de ça, tous les profs ont des programmes différents, donc ça complique la chose. On a eu un peu de distanciel, mais au niveau du distanciel, les plateformes buguaient énormément. Il y a des gens qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas assez d'argent pour acheter des ordinateurs. Enfin, beaucoup d'inégalités. Surtout, on se bat pour nous, pour les autres, et surtout pour avoir un système scolaire décent qui nous écoute et parce que ça nous appartient aussi à nous, vu qu'on est les étudiants, les professeurs, et qu'on ne veut pas passer un bac bâclé parce qu'on n'a pas eu assez de cours, parce que les visios, ça n'a pas bien marché, parce que le CNED, il n'a pas bien marché non plus. Et nous, on ne veut pas être victime de ça, on ne veut pas être sacrifié. On a eu des professeurs absents, on a eu des malades dans la famille. Il y a eu mille et une situations différentes et des personnes qui ont essayé de s'adapter. Cette adaptation, elle s'est faite par une seule chose, le contrôle continu. C'est le seul marqueur véritable du travail qui a été effectué difficilement cette année par les BTS. Et c'est la seule chose qu'ont demandé les BTS cette année, et encore une fois, on ne va pas leur donner. Mais dans les conditions actuelles, comment peut-on dire autre chose que cela? Qu'est-ce qu'on va dire à tous ces jeunes qui passent des épreuves cette année? Si ce n'est, bon bah tant pis, bah refait une année ou je ne sais quoi. C'est absolument insupportable. C'est pour ça que nous avons décidé de soutenir votre mobilisation, que nous continuerons à la soutenir et que nous continuerons à demander des moyens pour l'éducation nationale. Parce que l'éducation nationale est la seule richesse de celles et ceux qui n'ont aucun patrimoine. Et je crois que là, on est en train de parler de l'avenir de notre pays.